Nous remercions le maire de Douala 5e et le super maire de la ville de Douala. Attends un peu. En vertu de quoi tu remercies le super maire et le maire de Douala 5e? Pour ce joyau architectural que nous vivons ici. En fait, t'as pas de joyau architectural là, c'est une route inondée d'eau. C'est l'arc municipal dont on nous a doté. Donc, ce n'est même plus au niveau ni des nids de poules, ni des nids d'éléphants. Donc, c'est un lac municipal. Papa, je t'écoute. Ce que nous attendons ici actuellement, ce n'est plus que les banques publiques. Les banques publiques, c'est pour faire quoi? Pour attirer plus les invités à venir vivre le spectacle qui se passe ici au quotidien, quoi. Pour ceux qui maîtrisent bien la ville de Douala, ça, c'est le tronçon reliant de Panatonnerre, quartier Bonhomme Sadi. Donc vous-même vous êtes en train d'observer, vous-même, où est-ce le lac municipal, où est-ce le nid d'oiseau, où est-ce le nid de poule, où est-ce le nid d'éléphant. Là, ça ne ressemble même plus à rien. Bon, dans tous les cas, papa, on a suivi une interaction. Bon, type, amène-toi la boîte là. Tu dis que les qui tournent comme la chaise du coiffeur là. Les avocats tournent, le procureur tourne. Et ils tournent pourquoi? Monsieur a mis tout le site au sol. Et maintenant, regardez la barrière. Est-ce que c'est mon dormi où? Point d'interrogation. Mais, de quel monsieur tu parles? Été démoli par un certain Kamto Maker, reconnu comme le propriétaire de cet espace. Démoli la maison de plusieurs familles. Mais en passant, c'est de quel quartier dont on parle même? Scène inhabituelle ce matin au quartier Bounabro, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala. Plus de 20 familles sont désormais sans abri au lieu dit boulevard de la République. Assia à toutes les familles qu'on a cassé la maison. Oui, type. Mais en passant, même, ça s'est passé même comment? Le tribunal avec cette affaire depuis 2001. Et on a rendez-vous le 28. Le parquet n'a pas encore décidé. C'est le 28 qu'on pourra voir ce qui a lieu de faire comme décision. Mais avant le 28, on anticipe, on vient casser. Oui, maman, ton problème aussi, c'est quoi? Après combien d'années? La main, Asia. Oui, la main, je t'écoute aussi. 40 ans que je suis ici. Oui, la main. C'était la forêt. Je n'avais pas problème. Oui, la main. Et le problème vient maintenant d'où? On pas fait le faux titre. Dans Douala, le titre dans Douala premier. On vient dans Douala 5 mai nuit. Ouais, Asia à toutes les familles qu'on a détruit leur maison. Vous savez, dans cette vie, les gros poissons mangent les petits poissons. Bon, dans tous les cas, il n'y a pas deux cas. Grand-père, est-ce qu'on peut commencer? Salut, salut encore et bienvenue encore sur une autre édition des Tories du Quad. Oui, c'est les Tories du Quad. Comme je le dis toujours à coutumier, pour celui qui veut mettre ses organes, la parole, qui passe seulement comme un tacite. Parce que à ce qui concerne les retours, là, non, les retours, les bitons, là, moi, je ne connais moi rien, moi, les retours. Les retours, ça ne me concerne pas. Parce que les gens de commentaires, quand on tapait tous les commentaires des Manchumton quartier, oui, les Manchumton quartier, donc c'est les quartiers difficiles. Les gens de commentaires, quand on tapait, donc à ce qui concerne les bitons, là, non, moi, je ne connais moi rien, moi, des retours. Comme tous les jours, les gars ne font que toujours se plaindre de toi, qui dit que la route de Douala, partout est éclatée. Toutes les routes sont même pas praticables. Sans deux fois, vous mentir, tu ne peux pas faire deux pas sans entrer là, soit dans un nid de poule, ben, soit dans un nid d'éléphant. Il y a même un niveau où même c'est tellement grave au niveau. Vous-même, si tu fais tout le parcours de Douala, là, toi-même, tu vas voir les routes sont pratiquement gâtées. Et ce n'est pas seulement Douala où. Vous-même, vous entendez plus là, Douala. Sachez même que du côté de Yaoundé, là, c'est aussi grave. Vous m'écoutez la vidéo de ce jeune journaliste Christophe Bia. Il a décortiqué lui-même l'état des routes dans la ville de Yaoundé. Que ce franchement, c'est une catastrophe. Donc, écoutez, ce gars, il a franchement, il a tout versé. Écoutez, capitale du Cameroun. Vue aérienne, c'est un vrai paradis sur terre. Quand on a fini de rêver dans les airs, la réalité nous rattrape sur terre. Conduire à Yaoundé ces derniers temps est un véritable supplice. On pourrait facilement chanter sur la croix du calvaire. À Yaoundé à l'heure actuelle, un nid de poule par habitant. Si nous avoisinons les 3 millions d'habitants à Ongola et Ondo, nous avons aussi 3 millions de trous, 3 millions de poubelles, 3 millions de poteaux électriques cassés, 3 millions de câbles électriques qui nous servent de séchoir à linge. Et dire qu'on est dans une capitale qui a 7 mairies plus la super mairie de Yaoundé. 8 municipalités qui ne nous servent que des futilités. Le gouvernement a promis beaucoup de choses, mais la réalisation ne vient pas. Parce que c'est une route que depuis, ça fait presque 2 ans qu'on a commencé cette route. Mais on travaille, on arrête, on travaille, on arrête, on ne sait pas pourquoi. Comme hier, il y a beaucoup, des accidents arrivent ici. Chaque moment qu'il pleut, les gens tombent sur la moto, comme les propriétaires de véhicules brûlent les disques. Les pneus, même pour dire, tellement cher. Quand tu ne peux pas rouler avec un pneu, les amortisseurs, les cadans, ils ne peuvent pas vraiment vous dire le nombre de tout qu'il y a dans le garage. Parfois, on dit tout, en un seulement. Yaoundé, à l'ère de la haute décentralisation, est complètement en désillusion. Coincé dans un système de centralisation sur les projets des axes routiers principaux.
Quand on se plaint, à Yaoundé 4e, Kemombok 2e, c'est l'enfer. Ils disent là-bas que ce n'est pas de leur compétence. C'est au supermaire de faire le job. Mais il est même où ce supermaire plus que jamais invisible. Yaoundé est en désuète. Et on joue à chaque goutte de pluie aux devinettes sur la prochaine inondation et dans quel quartier. Pendant ce temps, les autres maires ne font que faire des pirouettes. À la question de savoir qui doit même faire quoi à Yaoundé, qui doit éclairer la ville, qui doit refaire les routes, qui doit ramasser les ordures, quand chaque maire lève les mains vers les montagnes, le secours viendra donc de quel monde à Yaoundé, Elumden, Mbankolo ou Nkolniada? Les Yaoundéens savent qu'à cette allure, même la prière ne pourrait ne plus suffire. Yaoundé, ça, les poubelles, nous mangeons avec des mouches, parce que si tu achètes quelque chose en face, c'est des mouches qui de la poubelle qui se posent là et que nous allons acheter, nous allons consommer. Au temps du délégué du gouvernement, auprès de la communauté urbaine de Yaoundé, le patriarche Timéfouna, surnommé affectueusement Jack Bauer, Yaoundé n'était pas comme ça. L'homme avait une vision extraordinaire pour la ville aux sept collines. Faire de Yaoundé un véritable Eldorado, mais depuis qu'il a cédé son poste, l'Eldorado est devenu un grand paquebot. Ceux qui ont regardé la fin du film Titanic peuvent comprendre. On nous a annoncé les échangeurs. Nous avons en lieu et place les mixeurs qu'on appelle pompeusement monuments. Comme celui dit « J'aime mon pays » qui nous regarde tourner chaque jour sur lui avec des véhicules de 100 millions. Lui-même très étonné de cette façon qu'ont les Yaoundéens d'aimer leur pays. Négligence, ignorance et insuffisance. Le monument « J'aime mon pays » se demande certainement tous les jours « Qu'est-ce que je fous même encore ici ?» à subir le soleil et la pluie, pourquoi ne même pas m'écrouler ? Actuellement, quand tu vis à Yaoundé et que tu regardes le définitivement provisoire au bricolage, l'argent est déjà fini avant les finitions, l'autoroute Yaoundé-Simalène, tu comprends que dans ce pays, même les ingénieurs de ponts et chaussées sont à refaire pour emprunter l'expression d'un Gabonais. À Yaoundé, la seule chose qui n'est pas à refaire, c'est l'activité professionnelle des quartiers Mimifem, Atangnambala et Mombo Premier, entre autres. Et c'est parce que c'est le seul chantier qui n'a jamais connu l'arrêt de travaux. Et dire que tous les 8 maires de Yaoundé sont des natifs de Yaoundé. Ils font même comment pour se pavaner dans leur propre ville avec leurs gros cylindrés dans les routes qui ressemblent à la voirie municipale. Aujourd'hui au Cameroun, si on veut se vanter avec des belles villes, on se tourne vers Garoua, Maroua, Bertoua, Ebolo, Vaboya, Bamenda. La capitale du Cameroun est actuellement en agonie, n'ayons pas peur des mots. C'est de ça qu'il s'agit. Les mairies n'ont pour seul bilan que leur awara qui arrache les motos au débrouillard, sabote les petits automobilistes sur le trottoir et surfacture les places au marché pour augmenter leur pourboire. Yaoundé n'a pas d'adressage. Les mêmes raccourcis qui mènent tous au même endroit. Ongola Ewondo Betara est devenu Ongola Ewondo Ikpagle Betara. Comme on dit chez les Ewondo, Anne Zamwal, Zamoswan, Bonga Yongola. Traduction, c'est vraiment une affaire qui fait pitié et une affaire de honte pour les enfants de Yaoundé. Réveillez-vous, comme disait l'artiste, les gens vous regardent. Il fallait bien que quelqu'un ait le courage de vous dire la vérité en face. Même si ça vous choque, c'est ce qu'on appelle à Ongola, Bebel Ibouk, Abimte, pour le moment.